Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo haul action et le premier haul action de l'année 2021. Donc j'ai voulu aller dans mon action trouver des nouveautés make-up car j'ai vu sur Instagram qu'il y avait une nouvelle palette. Donc je l'ai pas trouvé, je suis déçue, j'ai pas trouvé. J'ai vu aussi sur YouTube une palette là qui coûte 1,99€. Franchement, entre la Rock que j'ai jamais trouvée et l'autre, la Maxelmore, la Violette que j'ai jamais trouvée, les deux autres qui sont sortis, franchement, j'espère que je vais réussir à les trouver. Parce que moi, en nouveauté make-up, franchement. J'ai pas trouvé mon bonheur, ça fait longtemps que j'ai pas trouvé mon bonheur, ou alors il faut que j'aille à 1 heure de chez moi ou dans d'autres actions. Bref, assez blablaté, je vais vous montrer mon maquillage d'aujourd'hui vite fait. Donc c'est avec cette palette là de chez Makeup Revolution, donc la Forever Flawless. Franchement, alors là on voit pas très bien, je vais vous montrer. Sans faire tomber la caméra. Donc voilà mon make-up d'aujourd'hui. Donc je vais vous montrer les couleurs. Donc voilà les couleurs de la palette. On voit pas très bien. Donc je vais vous montrer. J'ai pas envie de la casser. Donc voilà les couleurs de la palette. Donc moi je me suis servi de cette couleur-là et du rose. Donc je vais vous swatcher quand même. Donc voilà. Voilà les deux. Je vais vous prendre le portable parce que la luminosité, c'est pas terrible. Donc voilà les deux couleurs pour cette palette. Donc du coup, on commence pour le haul action. Donc c'est parti. Alors, j'ai trouvé des choses, pas mal de choses en promotion. Je vais vous montrer. Voilà le sac. Comme j'ai trouvé un sac, mais il y a des grandes choses dedans. Donc déjà je vais vous montrer, je prends comme c'est venu. Donc j'ai pris des pétales de rose parce qu'ils ont déjà sorti un petit on va dire un petit rayon pour la Saint-Valentin. Moi ça va pas être pour la Saint-Valentin, ça va être une petite décoration pour fêter les 10 ans de rencontre de moi et mon mari. Donc ça va faire 10 ans cette année là en janvier. Donc je me suis dit pourquoi pas, petite déco de pétales de rose et tout, qui fait un peu romantique. Ensuite j'ai pris, moi je les prends toujours là-bas, les masques de chez Action. Donc au total j'en ai eu pour 30 euros, tout ce que je vais vous faire montrer j'en ai eu pour 30 euros, ça monte vite. Les masques, je sais plus du tout, je sais pas si j'ai gardé le ticket de caisse, mais si j'y pense en montage, j'essaierai de vous mettre les prix ici. Donc j'ai pris ces deux masques là, deux paquets de masques, et il y en a 7 dedans. Moi j'achète toujours les masques chez Action. Après évidemment, gourmande comme je suis, mais après je vais arrêter parce que j'aimerais faire attention à ma ligne et perdre du poids. Donc voilà, mais pour la dernière fois, je vais essayer de ne pas en acheter du tout cette année. On verra si je résiste. Mes résises préférées, chouchou, c'est de la bombe atomique. J'adore les résises. C'est trop, trop, trop bon. Et ça, c'est 99 centimes. Ensuite, quand j'ai vu ça, j'ai pensé à mon ami Fairy Pink. Alors, dans notre premier swap de l'été dernier, je lui avais acheté des bougies, mais moi, je les ai jamais testées, ces bougies-là. Et en plus, ils sont en promo de la semaine, donc je ne sais pas quand je vais mettre cette vidéo en ligne, mais je les ai achetées en promo, donc je vais tester. Donc j'ai pris vanille et fleur de coton. Donc c'est les deux senteurs que je préférais, et nous on est beaucoup bougies l'hiver, l'été moins, voire pas du tout. Mais ah ouais, franchement elles sont bonnes, la vanille et fleur de coton. Franchement c'était à 99 centimes, je ne sais plus exactement les prix, mais franchement ça valait les coups. Donc j'ai pris deux petites bougies. Ensuite, Noël est fini, mais ils ont déjà mis le rayon de Pâques. Oui, le rayon Pâques. Chocolat, décoration et tout, ils ont déjà mis.
Donc moi, j'ai pris ceci en chocolat de Pâques, juste histoire de goûter des petits chocolats comme ça en forme de lapin, des Kit Kat. Donc on verra si j'aime bien. Ensuite, j'ai repris un autre paquet de pétales de rose. Ensuite, j'ai pris des lingettes pour les toilettes. Donc moi, j'aime bien prendre ceci. Voilà, pour faire la commission. Ensuite, j'ai pris. En ce moment, c'est ma passion. J'adore ça. J'adore trop ça. C'est des dattes, franchement. Franchement, les dattes de chez Action, ils sont vraiment pas mauvais. Et même les dattes de chez Lidl. Donc, moi, j'adore ça. Et en plus, il n'y a pas de noyau dedans dans ceux-là. Donc, ça, je crois que c'était 89 centimes ou je sais plus. Mais franchement, ils sont trop bonnes les dattes de chez Action. Donc, j'ai pris deux paquets. Ensuite, en promotion de la semaine, parce que ça, j'ai remarqué dans mes armoires que j'en avais pas beaucoup, ça s'use. Donc j'ai pris un drap housse, ouais, un drap housse, oui, je crois que c'est ça, c'est un drap housse, bah, pour protéger le matelas. Donc 180 sur 220. Donc voilà, j'ai pris ceci. Moi, je les prends toujours chez Action. Donc franchement, c'est pas mal. Et c'est en promo de la semaine, ils étaient à 4,99€. Franchement, pour 4,99€, franchement, ils sont très bien. Et il me semble que c'est 100% coton, si je dis pas de bêtises. Où je peux voir ça? Je vois pas. Il me semble que c'est bien 100% coton. Franchement, moi, je les aime bien ceux-là de chez Action. Même les parures de couette, j'en ai déjà acheté chez Action. Et franchement, ils sont vraiment pas mal. Ensuite, on est sur la fin. Je sais pas ce que c'est que ça. Bref. Pour ma en réserve, car j'en ai plus en réserve et j'aime bien avoir en réserve, c'est cette petite brosse-là pour le visage. Donc, j'aime bien, donc j'en ai repris en avance. Pour notre anniversaire de rencontre, vu que ça va faire 10 ans cette année, j'ai acheté ceci, hein, chez Action. Bien évidemment, c'était pour la Saint-Valentin, mais nous, ça va pas être pour la Saint-Valentin, je me répète. Mais je crois que j'en avais acheté chez Action pour notre mariage, il me semble, de ces trucs-là. Et je crois que ça sort des. Ça sort en forme de cœur peut-être, je sais pas, on verra. Je vous dirai ça une fois que je les hop là, une fois que je les aurai utilisés. Donc ça, c'était pas très cher, je crois que c'était 1 € et quelques. Donc franchement, il faut que j'y pense au montage, mettre les primes. Si j'y pense pas, désolé. Donc voilà. Et malgré que je n'ai pas trouvé du maquillage et ces fameux palettes, franchement, je l'ai pris, je l'ai reposé, je l'ai repris, je l'ai reposé. Je sais pas, je la prends, je le prends pas. Qu'est-ce que je fais? Je fais non, si je le prends pas, je vais regretter. Donc cette petite chose que je vais vous faire montrer était à 7,99€. Et franchement, la beauté, la beauté, la beauté. Donc vous allez tout voir. C'est un rangement à bijoux. Et franchement, il est canon. Il est canon. Canon. On voit tout. C'est pas grave. Franchement, voilà, on voit mieux là. Il est trop beau. Donc, je vais l'ouvrir avec vous. Hop. Je vais l'ouvrir avec vous. Franchement, je me suis tâtée à en prendre deux. Parce que j'ai une petite idée. Moi, je pense que je vais pas m'en servir en tant que boîte à bijoux. Je vais m'en servir pour mettre du maquillage. Donc, là, on ouvre. On ouvre. On peut mettre des choses dedans. Voilà, là on va mieux voir. On peut mettre des choses dedans. Hop là. Là, j'ai peur de faire tomber. Là, c'est des tiroirs. Donc on peut pas les enlever les tiroirs? Non. Donc là, les tiroirs, franchement, on voit pas. Est-ce qu'on peut pas? Ah si, on peut l'enlever. Donc, franchement, le tiroir, moi je trouve qu'il est profond. On pourrait mettre un. Donc, c'est que du tissu à l'intérieur.
Noir sur noir, évidemment, on va rien voir. Si je tourne un petit peu. Non, je suis trop à contre-jour. Mais franchement, trop belle. Trop belle. Donc moi, je pense que je vais mettre des... Donc il y en a deux, hein. Il y a deux tiroirs, hein. Voilà, deux tiroirs. Comme ceci. J'essaierai de vous faire montrer de l'autre sens correctement sur ma table. Donc voilà pour mon haul action. Donc je reviens, je vais vous montrer ça de plus près parce que franchement pour le prix. Donc voilà, je vous montre la boîte de plus près. Donc voilà comment elle se montre en vrai. Donc elle est comme ceci. Je vous la montre de plus près. Elle s'ouvre comme ceci. Franchement, elle est trop belle. Donc là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ensuite, là, il y a des tiroirs. Comme ceci. Et là aussi. Hop. Et franchement, elle est canon. Elle est canon. Donc, j'ai peut-être pas trouvé les palettes. Mais je suis ravie d'avoir trouvé ça, franchement. Ça fait tout son effet pour un cadeau, pour offrir ou même pour soi-même, franchement, c'est trop choupinou. Donc voilà pour cette vidéo haul action. J'espère que ça vous a plu ce petit haul. Je sais que j'ai beaucoup blablaté. Donc moi, je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin bien de vous et je vous fais des bisous. Allez, ciao. Bye. Bisous. Bye.